Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour ouvrir les hanches, vers ces hanches en douceur. Je vais t'inviter à pratiquer aujourd'hui avec un bolster, un coussin traversin et des briques. On va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Tu vas pouvoir garder tes deux pieds sur le tapis, les écarter de la largeur et joindre les deux genoux l'un vers l'autre. Dépose ta main gauche sur l'abdomen, la main droite sur l'espace du cœur. On va prendre quelques respirations ici ensemble. De profondes inspirations, de profondes expirations. On va pratiquer ensemble la respiration du carré. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, retiens 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, retiens le souffle 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, retiens 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, retiens 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 4, 3, 2, 1, expire 4, 3, 2, 1, retiens 4, 3, 2, 1, inspire, expire. Voilà, reviens ici dans le souffle, respire par les deux narines. Et tranquillement ramène tes deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou, bascule à droite, à gauche, avant de monter dans la posture de l'enfant heureux. Ici, tu peux attraper tes deux pieds, le bord extérieur de tes pieds, voilà, ou tu peux attraper les chevilles, ou mettre les mains derrière les cuisses, comme tu préfères. L'important ici, c'est d'avoir les épaules qui soient détendues, que tu ne ressentes aucune tension dans la nuque, dans les trapèzes ou ailleurs. Je t'invite à fermer tes yeux, à détendre tes mâchoires, à laisser ton corps s'ouvrir en douceur dans cette posture. Ressens tout ton dos en contact avec le sol. Voilà, laisse-toi aller et respire dans les sensations que tu peux ressentir dans ton bassin, dans tes hanches et à l'intérieur de tes cuisses. Commencez tranquillement à déposer les pieds au sol. On va sortir de cette posture, libérer un petit peu les hanches en faisant quelques mouvements de balancier à droite, à gauche.
Voilà, ressens tes jambes, ressens cet espace. Et puis on va ici descendre dans la posture de l'arbre directement. On va laisser le genou droit tomber à droite au sol en maintenant le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Alors n'hésite pas ici à mettre une brique sous le genou droit si besoin, si jamais ça tire un petit peu dans l'intérieur de la cuisse, de la hanche, ou qu'il y ait des sensations dans le bas du dos qui peuvent être inconfortables. N'hésite pas à déposer un support, quelque chose qui va te soutenir. Dépose ton attention, ta conscience dans ton bassin. Assure-toi d'avoir l'abdomen détendu et relâché. Prends le temps de ressentir tout le sol sous ton corps. Autorise-toi ce temps pour ne rien faire, ne rien penser. Juste accueillir. T'accueillir dans cet espace de détente et de relâchement. Prends une inspiration, expire. Tu vas tranquillement pouvoir étendre la jambe droite sur le sol à côté de la jambe gauche, prendre ce temps d'intégration pour ressentir ta hanche droite, ta hanche gauche. Et puis tranquillement faire l'autre côté en laissant le genou gauche tomber au sol à gauche. Et n'hésite pas à prendre une brique, un livre sous ton genou si tu en as besoin. Inspire et relâche tout l'arrière de ton corps dans le sol. Accueille tout ce que tu ressens, tout ce qui te traverse. Prends une inspiration et une expiration. Tranquillement, tu peux étirer ta jambe gauche au sol à côté de la jambe droite. T'assurer un temps d'intégration. Et puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine, masser le dos en basculant à droite, à gauche. Et puis viens ici te tourner sur ton côté droit pour te redresser, te rasseoir. Et retrouve-moi dans le quatre pattes, les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. J'inspire dos creux, j'expire dos rond,
On part pour quelques chavages ici. Travaille la colonne vertébrale. Prends le temps de ressentir à l'inspire le dos creux, le regard vers l'avant. À l'expire, le dos rond, les mains qui pressent le sol. Voilà, continue tranquillement jusqu'à venir t'asseoir avec moi dans la posture du papillon. Tu peux utiliser des briques à nouveau, à les mettre sous tes genoux selon ici l'ouverture de tes hanches. Il y a toujours possibilité d'adapter avec des supports. On va juste te laisser aller vers l'avant, tout simplement, dans cette posture du papillon. Ici, on peut mettre aussi, pourquoi pas, un coussin, une brique, un livre sous le front, si jamais il y a des tensions au niveau des cervicales. Laisse ton dos se voûter. Laisse le haut de ton corps devenir plus lourd. Il n'y a rien à faire à part juste se déposer dans cette posture. Rien d'autre à faire que respirer et que ressentir la vie, le vivant qui est là en toi. Profite encore de quelques respirations dans cette posture. Prendre de profondes inspirations, expirations, tranquillement ici te redresser, dérouler la colonne, tu peux ramener les genoux l'un vers l'autre. Profitez de quelques mouvements d'essuie-glace avec les jambes. Viens détendre tes jambes devant toi, ouvre la poitrine vers l'avant, respire. Bien, et puis viens fléchir tes genoux. Prends ton bolster, tu peux mettre le coussin ou le traversin peut-être sous tes jambes et viens t'allonger sur le dos au sol pour un temps d'intégration, temps de repos, tout simplement. Juste un temps pour te laisser aller, pour contacter ici tout ton corps, le ressentir des pieds à la tête. Et de laisser tout le poids de ton corps se détendre dans le sol.
Il n'y a plus rien à faire, rien à contrôler, rien à penser. Voilà, juste être dans la présence de l'air qui rentre, qui sort de tes narines. Tranquillement, je vais t'inviter à t'étirer, à laisser le corps s'exprimer, laisser le corps se mouvoir, tu peux respirer un peu plus profondément, peut-être étirer tes bras, tes jambes. Voilà, laisse ton corps ici s'exprimer dans ce dont il a besoin. Comme un deuxième réveil dans ta journée, profite de cet instant. Rapproche les genoux vers ta poitrine. Et tu vas pouvoir tranquillement te tourner sur ton côté droit et utiliser le bras droit comme oreiller. Tranquillement, avec les deux mains, te pouvoir repousser le sol, venir t'asseoir, peut-être sur un coussin en hauteur. Voilà, retrouve ici une posture avec moi où tu as le dos long et viens déposer les mains devant ton visage. Laisse le menton tomber vers la poitrine, en signe de gratitude envers toi-même pour ta présence, ta pratique. Moi aussi, je te remercie vivement pour ta pratique aujourd'hui. Namasté. Alors, si cette vidéo aujourd'hui t'a plu, t'a fait du bien, ben, je t'invite à liker la vidéo pour me soutenir et pourquoi pas à partager, à t'abonner à ma chaîne pour pratiquer le yoga ensemble.